Il y a actuellement un event confirmé sur la map de Fortnite que vous pouvez voir juste à côté de Reckless Highway. Donc regardez, juste ici sur le gameplay, vous avez un nouvel événement. En plus, il y a un personnage juste à côté qui est Banane, Banane Verin. Et il nous donne en plus activer la balise des failles de Banane Verin. Donc il nous donne carrément des défis que je ferai juste après. Donc ça, c'est cool à savoir. C'est des petites quêtes secrètes. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un timer de 4 jours, 7 heures et 47 minutes. Ok, je viens de calculer et ça tombe le 5 octobre, donc le samedi 5 à 20 heures. Donc à ce moment-là, on aura un mini-event avec une cinématique qui sera peut-être en lien avec la boîte de Pandore, je suppose, et les super-héros. Donc il y aura une petite cinématique pour cet event à ce moment-là. Après, j'en sais pas plus, donc si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais regardez, tout autour de l'event, on peut voir qu'il y a plein de panneaux de super-héros qui sont tous dirigés vers la tour du Docteur Fatalis. Donc à mon avis, ils vont peut-être détruire cette tour. Alors par contre, petite information supplémentaire, nous aurons un deuxième événement pendant cette saison. Et cet événement arrivera uniquement à la fin de la saison 4 pour faire arriver le chapitre 2 OG. Et il faut savoir qu'il y aura un trou noir avec 6 phases. Donc je ne sais pas si le trou noir va durer plusieurs jours ou plusieurs heures, mais personnellement, je pense que ça ne durera pas longtemps. Je pense qu'ils essayent juste de faire un petit clin d'œil au trou noir, hein, tout simplement. Mais ils ne vont sûrement pas bloquer les serveurs pendant 3 jours. Donc voilà pour toutes les informations à propos des prochains events qui vont arriver sur Fortnite. Si vous en savez plus, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Code créateur SC.